Alors en fait, donc on va effectivement donc là faire un peu du Gloomhaven en coop. Je vais lancer éventuellement une partie ou tu sais quoi, toi tu vas lancer une partie. Je vais juste me connecter Sûr. sur Steam. Ouais. Parce que sur Steam, je crois que je suis en invisible et il faut pas que je sois en invisible. Donc toi Non, tu t'as un cliques code en sur fait. Non, t'as pas Tu besoin. me donneras un code. Non, T'as t'as pas pas besoin besoin. du En fait, code. dans ta partie, tu me donneras un code. Non? T'en as pas besoin. Tu peux Ok. lancer Master. Guildmaster, New Adventure. J'y suis. Donc je mets en normal, hein, de toute façon. Alors normal, c'est beaucoup plus difficile, mais si tu te sens de jouer avec un gros challenge, oui, tu peux. Parce que je te rappelle que c'est un jeu qui est quand même extrêmement exigeant, qui est vraiment très difficile, hein, Gloomhaven. Mais après, si t'as pas peur, tu mets en normal, hein, y a pas de souci. Et après, une fois que tu as créé, donc tu passes l'intro, par contre, tu mets, je crois que c'est full start quand il te laisse le choix. Alors, attends, j'ai un confirme parce qu'il faut que je mette le nom de la guilde. Hein, Oh, donc, parce que tu mets ce que ça tu me. veux, ça n'a Les pas pieds d'importance. cassés. Si tu veux. J'y mets en easy, hein. Ouais, D'accord. parce que si t'es pas Alors, habitué, c'est plus simple. là, j'ai full tutorial, story intro ou quick start. On va faire quick start. Ok, Bah ça me sinon, va. tu joues tout seul. Le tutoriel et tout, tu es obligé de les jouer tout seul. Donc, si tu veux jouer en coop, il faut faire du quick start. C'est fait. Ensuite, Quick tu start. appuies sur échappe. Et dans le menu de gauche, tu as un bouton multiplayer. J'ai vu, ouais. Donc je fais Tu host cliques session. dessus, il se fait host session. Et là, normalement, tu as la possibilité, si tu cliques sur un des personnages à gauche, d'inviter un de tes amis. Et tu n'es pas visible. Pourtant, si. Pourtant, si je suis visible sur Steam, je ne suis plus Attends, mais je peux invisible. te donner le code, hein, sinon. Ah, friends. Oui, c'est dans Attends, en fait, on va Friends. faire, je vais faire autrement. Ouais. Voilà, c'est ça en fait. Il faut d'abord que je t'invite. Voilà, donc je t'ai envoyé une invite. Tu devrais la voir. Voilà, je me connecte. Voilà, donc là, je devrais pouvoir, quand tu seras connecté, Donc voilà, tu t'envoyer peux un donner code. ton code, ça marche en donnant ton code, mais ça marche aussi en faisant que ça. C'est ce que je voulais te montrer, quoi, que Ouais, c'est le truc classique d'invitation. tu peux inviter Par contre, attends, je crois tes amis. que je vais voir que je mets. Bon, après, on peut changer les personnages, hein, une fois qu'on est dessus. T'as réussi à les joindre ou non? Ah, c'est en train, Ah ça voilà, je charge, suis voilà, parti. j'y suis. Alors du coup, le truc, c'est qu'il faut que tu me donnes un personnage. Donc à gauche, tu as les deux persos, Tu Brute, préfères quoi? Scoundrel. Donc il y a Brute, Scoundrel ou Peu importe, parce que de Mercenaire? toute façon, on peut changer son perso. Bon hop. Et je peux t'en donner plusieurs? Ah non, je peux pas en fait. Si, tu peux. Alors, en fait, tu peux jouer jusqu'à 4. Donc si tu as envie de faire du 4 persos, et que toi t'en prennes 2 et moi j'en prenne 2, on peut le faire à 4. Maintenant, si t'es pas habitué au jeu, c'est peut-être pas l'idéal encore. Donc là, on va jouer à deux en fait. Je pense qu'on va jouer à C'est 2. décalé. Après, choisis-toi ton perso et moi je choisirai en fonction de toi. Donc Donc pour là, je l'instant, je peux. prends personne, tu vois, je vais mettre, mettons, le Tinkerer, parce que c'est le perso que personne prend, à 2, parce Où que est-ce le que je Tinkerer, choisis c'est le mon support. perso? Où est-ce que je choisis mon perso en fait? Parce que je vois qu'en fait, Mais je là où il y pense a que je suis les dans espèces de le. trois dagues, si tu vois, sur le cadre de ton perso, tu as quatre boutons à droite, tu as les trois dagues, les deux cartes, le sac, les deux épées. Ok, Si tu oui. cliques sur les trois dagues, ça te permet de choisir la classe, enfin le perso que tu prends. Sachant que c'est Guildmaster, c'est-à-dire que tu peux avoir dans ta guilde jusqu'à un perso de chaque classe et ce perso va retenir l'XP. Mettons que tu joues le Scoundrel, tu montes à 20 en XP et sur le scénario suivant, tu veux jouer quelqu'un d'autre que le Scoundrel et tu le mets de côté et que le scénario d'après tu reprennes le Scoundrel, bah le Scoundrel aura toujours ses 20 XP. Tu vois? Donc en D'accord. fait, tu as un roster donc constitué de tous les persos débloqués et ils vont retenir l'XP même si tu t'en sépares et que tu les reprends après. Bah, je veux. Non, bah, je vais garder le Scoundrel pour le moment. Puisque de toute façon, je prends par défaut. On verra. Alors, Ça je gardais marche. la brute parce que le duo brute Scoundrel, c'est un des duos les plus efficaces. Puisque le Scoundrel, le principe, c'est que c'est un gars qui frappe au corps à corps et une bonne partie de ses capacités font des dégâts supplémentaires quand la cible est déjà au contact d'un allié. Donc, D'accord. l'idéal pour le Scoundrel, c'est de jouer avec quelqu'un d'autre au corps à corps et d'aller taper sur quelqu'un qui est au contact avec son allié qui est au corps à corps, pour faire des flanking strikes qui peuvent faire très très mal.
Du coup, je vais pas prendre la magicienne qui est pas censée être au corps à corps, tu vois, c'est pas intéressant, je vais plutôt prendre la brute. Tout à fait, ouais. Note que, donc sur le menu de droite là, de ton perso, tu as une icône avec deux cartes. Si tu cliques dessus, tu vois que normalement tu as 12 cartes. Et sur ces 12 cartes, tu en as 9 qui sont en gros éclairées et 3 qui sont grisées en bas. Ça, en fait, les 12, c'est ton stock de compétences. Tu as le droit d'en avoir 9, toi, parce que tu es le scoundrel est limité à 9. Tu as le droit d'en avoir 9 par partie. Et tu peux du coup choisir de remplacer certaines cartes qui sont actives par des cartes qui sont grisées si tu penses que l'effet est plus intéressant. Après, généralement, c'est pas conseillé sur les 3-4 premières parties parce qu'il vaut mieux que tu apprennes d'abord les mécaniques du jeu avant de commencer à réfléchir à ce qui est intéressant. Mais moi, par exemple, je vais remplacer probablement une Donc carte. j'ai un petit peu joué, donc je sais que le nombre qui est entouré, c'est en fait c'est ça va définir l'ordre en fait dans lequel on joue, c'est ça? Donc C'est l'initiative, exactement. l'initiative. Et puis bon, après chaque carte a deux parties, une en haut, une en bas, et en fait tu peux en jouer qu'une par tour, c'est ça? Donc en fait il faut faire, c'est là où est toute la stratégie du jeu, j'imagine, hein. Mais en fait, Faire très attention à tu chaque choisis compétence. deux cartes. Il y en a une, Deux tu cartes. joues effectivement la compétence du haut, l'autre la compétence du bas. Et tu choisis quelle est la carte que tu prends pour le haut et quelle est la carte que tu prends pour le bas au moment où c'est à toi de jouer. Parce que, en fait, donc chaque carte que tu prends, elle a un score d'initiative. Et c'est toi qui choisis quel est le score d'initiative que tu prends entre tes deux cartes. Celui qui a l'initiative la plus basse, il joue en premier. Et quand c'est à toi de jouer, eh ben, généralement, ce que tu avais prévu de faire, c'est plus faisable parce que les gens se sont déplacés et ça marche. Enfin, c'est plus trop possible de faire ce que tu voulais. Et du coup, bah, tu es parfois obligé d'adapter ce que tu veux faire. Donc, Eh tu ben, je décides au vois, moment où c'est à toi, quoi. je vois aussi qu'on peut rajouter de l'inventaire. Donc là, j'ai vu, il y a un petit sac avec un point d'exclamation. Donc j'imagine qu'il faut que je choisisse un équipement ou Quand on aura de l'or, de il l'objet. faudra acheter de l'équipement. En fait, tout en bas, tu as un bouton vert avec une bourse et des pièces d'or, c'est le marchand. Le D'accord. marchand vend des objets, comme tu le vois, le moins cher coûte 10 PO, les plus chers coûtent 30 PO pour l'instant. En PO, c'est écrit en or, en gold, on a zéro. Donc on peut rien s'acheter, mais par la suite, on pourra s'acheter des choses. Toi, tu commences avec les objets qui sont notés. Normalement, tu as l'armure de cuir et la potion de stamina. Tout à fait. La potion de stamina, il faut que tu l'utilises pendant les donjons. C'est une potion qui te permet de récupérer une carte que tu as défaussée dans ta main. Ah oui, il y a ça aussi. C'est vrai qu'on a aussi ce truc où à chaque fois que tu... Entre les tours, tu dois te défausser d'une carte, c'est ça? Bah, tu te défausses des deux cartes que tu as jouées. Et sur certaines cartes qui ont un petit Faut icône de poser pour carte les récupérer. brûlée en bas à droite, c'est pas juste que tu les défausses, c'est que tu les perds jusqu'à la fin du donjon. D'accord. Donc, les capacités qui se brûlent, faut vraiment les utiliser pas trop vite. Parce que sinon, tu arrives très vite à court de cartes, et quand tu n'as plus de cartes, tu es éliminé. Et quand tu n'as plus de cartes en main, ou quasiment plus de cartes en main, effectivement, là, il faut te reposer pour récupérer tes cartes. Mais à ce moment-là, il y a quand même une carte que tu voudras détruire. Donc petit à petit, de toute façon, ton deck, il va se réduire. C'est pour ça que toi, comme tu n'as déjà que 9 cartes de base, il faut que tu essayes de récupérer une carte assez rapidement avec ta potion de stamina. D'accord. Voilà, donc le marchand te permettra d'acheter plein de choses. Et au fur et à mesure des aventures qu'on va faire, le marchand aura de plus en plus de stuff à proposer à la vente. Du coup, ça va être plutôt intéressant. Ensuite, en bas, tu as un bouton trainer. Donc là, ce sont en gros des espèces d'achievements. Tu as une partie générale, ça c'est l'achievement lié à l'avancée dans cette campagne Guildmaster. Tu as un achievement mercenaries. Alors par exemple, tu as le perso Spellweaver, il faut qu'il atteigne le niveau 2 pour débloquer sa quête histoire. Toi, il faut que tu atteignes le niveau 2 pour débloquer ta quête histoire. Et on a plein d'autres choses. Par exemple, si tu utilises une capacité de loot 30 fois, tu gagnes un point de capacité. Si tu te déplaces de 120 cases au cours de toute la campagne, tu gagneras un point de capacité. Si tu fais 99 points de dégâts via attaque, tu gagnes un point de capacité, etc. Donc tu as des achievements qui te donnent des bonus, qui te font progresser. Après, relique, c'est si on prend 20 points de dégâts, on débloque une quête spécifique, mais qui sera pour plus tard. Et en kill, bah, ça peut rapporter de l'or. Si on tue 10 bandits archers, on gagne 5 gold, etc.
Donc c'est pour ça que je dis là, la structure actuelle du jeu, c'est déjà une structure de mini-campagne, même si elle ne ressemble pas à la campagne habituelle du jeu. Donc là, ce qu'il faut que tu fasses, tu as pour l'instant, on a deux C'est ton frangin scénarios. là, le trainer. C'est ton frangin en fait. Ah, c'est pas mon Ça frangin, mais marche. c'est un inox, quoi. Puisque ce jeu, il a un cadre Heroic Fantasy, mais pas fantasy classique avec des elfes, des nains, des orques. Sur ce jeu, tu as des races totalement spécifiques. Tu as des Savas, des Inox, tu as plein d'autres races comme ça, des Vermlings. Et c'est bien parce que du coup, ça fait un background un peu différent des trucs habituels, on va dire. Après, tu as Alors le pour l'instant on n'a temple. pas d'or, on n'a Voilà, rien c'est débloqué. pour ça que je te parle pas Je du sais pas, je t'envoie ça, un dernier. blessing en fait. Voilà. Alors, un blessing, Mais c'est tu tiens. tu gagnes deux cartes x2 pour tes modificateurs de dégâts pour le prochain donjon, ce qui est très très chouette, mais il faut dépenser 10 gold, on n'a pas de gold. Donc, on va commencer par faire une On mission. a rien. Alors, on Pourquoi? a deux missions là qui nous sont proposées, Set a Trap et The Hollow Man. Donc, Ah ok, oui, je vois, ouais. Set a Trap, c'est une mission contre des bandits. Je peux te dire en quoi ça consiste. En fait, tu n'auras qu'une clairière, une salle. Et des bandits vont spawner à chaque round et il faut qu'on en tue normalement 6 puisqu'on est 2. Et quand on a tué 6 bandits, le round se termine et si on est toujours vivant à la fin du round, on a gagné. L'autre, The Hollow Man, on se battra contre des squelettes normaux et élites et des zombies. Et là, c'est plus un donjon habituel, donc il y aura 2 ou 3 salles, chacune peuplée de 3 ou 4 mobs. Et il faut qu'on tue tout le monde, qu'on parcourt toutes les salles. Donc on a une structure plus classique par rapport à ce jeu sur The Hollow Man. Sur cette trappe, c'est moins classique parce que vraiment c'est une salle Ça avec des arrête mobs qui quoi. spawnent. Ouais, c'est ça. Ben non, on va faire. Ce serait bien de faire un petit classique. Hein. Ouais, The Enfin, je sais Hollow pas Man, la. ouais. Ouais. Bon, je sais pas laquelle sera la plus facile pour nous, c'est pareil en fait, en termes de. Disons que Je sais pas quelles sont nos compétences actuelles. The Hollow Man, c'est pas qu'elle sera plus facile, mais si toi tu es pas forcément habitué au jeu, elle sera peut-être plus intéressante parce qu'elle te montrera plus Allez. la structure des donjons habituels. Donc toi, tu dois cliquer sur le scénar que tu veux et en dessus, en bas de l'écran, tu mets propose ou je sais plus quoi là. Select quest, Voilà. Et moi, ça c'est. me fera apparaître un bouton qui me proposera accept quest. Voilà, j'ai accepté ta quête. Et on marche ben, le long du chemin On se promène, on peut habituel. faire une rencontre éventuellement. Là, on n'en a pas fait en chemin. Voilà. Ok. Et donc là, tu as un petit texte de flavor là, pour t'expliquer un petit peu ce qu'il en est. Donc si tu as envie de lire le texte, tu peux. Ok, ça va pas être très. Ok, donc là je fais Enter the Dungeon. Voilà, ça va charger le donjon. C'est très très joli, hein. Là. Ouais, graphiquement, il est pas mal, effectivement. Ok, donc là c'est notre traîneur qui nous parle. Bon, je vais passer un petit peu. J'imagine que Ouais, il je nous vais pas présente pouvoir. le fait que il y a des Living Corps, les zombies. Ils sont lents, ils tapent très fort et ils sont assez fans du fait de vomir sur les gens. Donc il faut essayer le moins possible d'être au cac avec eux. Bon, nous on a des persos au cac, donc on n'a pas tellement de choix, mais on a quand même des capacités à distance. Et si tu tournes la carte, tu vois que sur le côté, là-bas en face, il y a une autre salle. Tout à Donc fait. on en voit la tuile, mais on voit pas ce qu'il y a dessus. Et donc tu vois, l'objectif, c'est tuer tous les ennemis dans toutes les pièces. Là, ils sont que deux. C'est pas le truc qui s'annonce le plus difficile du jeu. Donc toi, tu peux te placer sur les cases qui sont en blanc. Bah, je vais me mettre derrière toi parce que de toute façon t'es le tank. Si ah j'ai quand même non j'ai quand même du cac moi. Hein. Mais de toute Je suis façon, pas toi, je suis au t'es. backstab. Hein. Je suis un rogue plus que. Ouais, c'est ça. Toi, t'es beaucoup en backstab. T'as une capacité qui s'appelle Flanking Strike, qui va être ta capacité, on va dire, de base. Je sais pas si capacité à initiative 86, tu as pris. Je sais même plus comment elle s'appelle, celle-là, Single Out. Parce que Je sais pas, non, j'ai pas ça. je crois que c'est une des Oui, j'ai cartes déjà qui les, oui, était j'ai les, grise. ouais, Tu l'as? Single Ok. Out. Parce que c'est aussi un backstab, single out. Et tu as la carte backstab, qui fait aussi un backstab. Mais la carte backstab, quand tu l'utilises, ça la détruit jusqu'à la fin du donjon. Donc elle, il vaut mieux l'utiliser en fin de donjon. Mais Ah alors d'accord, que les deux autres. c'est le petit icône que j'ai qui
mais que la carte brûle, c'est ça? Sur la carte C'est affichée. ça, c'est ça. Ok. T'as une icône de carte en feu. Ouais, tout à fait. Donc j'ai deux cartes comme ça en fait. Alors par contre, juste, j'attire sur ton attention sur un Ah, ça dépend truc. de la compétence. Excuse-moi, ça dépend de la compétence en fait, hein, parce que je peux l'utiliser pour bouger, mais si je fais le backstab, alors là, elle brûle. D'accord, Mais intéressant. et même si tu dois utiliser la partie haute de la carte, je te rappelle que t'as pas que la case de la partie haute, tu as aussi une toute petite case qui est attachée avec un symbole d'attaque 2. Je Et peux en passer comme ça. voilà, et donc tu peux, si tu n'as pas envie d'utiliser cette capacité qui brûle la carte, tu peux te contenter de faire une attaque 2 au cac. D'accord. Et là, c'est un truc qui avait été vachement critiqué par les joueurs qui ne comprenaient pas, c'est la complexité de ces cartes en fait. C'est de savoir ce que tu peux faire avec. Hein. Mais Et c'est c'est vrai que les tout. gens qui connaissent le jeu à la base ont un énorme avantage. Ah bah, D'accord. c'est un early access qui est clairement fait pour les jeux qui connaissent pour les gens qui connaissent le jeu, hein, parce que il n'y a pas, à mon sens, le tutoriel il est bien fait, mais il ne peut pas Maintenant, expliquer il est tous bien les fait. principes du jeu. Mais je ne sais pas si tu avais pris le jeu à la sortie. Au début de l'IA, c'était terrible. Hein. Bah, il n'y avait pas de tutoriel, hein, tout simplement. C'était horrible. Alors, donc là, il nous faut une initiative. On ne sait pas ce qu'eux vont tirer comme carte de toute façon. Donc nous, il faut qu'on prenne, j'imagine qu'il faut qu'on fasse en sorte d'avoir l'initiative en premier. Comment c'est la stratégie, en fait, dans ces cas-là? Alors en général, d'abord il y a un truc qu'on va pas respecter sur cette première partie, mais il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que normalement, selon le jeu, tu n'as pas le droit de communiquer d'informations précises sur ce que tu vas faire sur ce jeu, même en coop. Je n'ai pas le droit, par exemple, de te dire je vais me déplacer et je vais attaquer les deux en faisant tant de dégâts sur chaque. On est C'est vraiment dans le truc interdit. roleplay, quoi. Je peux te D'accord. dire je vais me bouger, je vais essayer d'attaquer le squelette, ça ok, mais je peux pas te Voilà. donner d'infos chiffrées ou autre. Pas de souci. Après, j'ai pas le droit de donner d'infos chiffrées sur mon initiative, par exemple. Donc, tu n'es pas censé savoir exactement quand je vais jouer. Et moi, je suis pas censé savoir quand tu vas jouer. C'est censé rajouter justement du piment. C'est pour ça que sur le jeu plateau, quand tu joues en solo, que tu diriges tous les personnages, la difficulté du scénario doit être augmentée. Parce que du coup, tu sais quand chaque personnage joue et tu peux coordonner tes actions. Alors que là, à plusieurs, tu ne sais pas quand les autres jouent, tu ne peux pas exactement coordonner tes actions. Maintenant, entre la brute et le scoundrel, il y a des trucs de base. Et un truc de base, c'est que toi, donc tu es beaucoup basé sur le backstab. Donc, il faut en général que je sois déjà au cac pour que tu sois efficace. Et au premier round, personne n'est au cac. Donc, en général, ce qui est intéressant, c'est que je joue avant toi pour me mettre au cac et frapper, pour qu'ensuite, toi, tu puisses venir au cac et attaquer. Mais là, comment tu Mais as l'information de mon initiative là? Tu vois combien j'ai pris non, d'initiative ou pas pas du du tout? tout, je ne le vois Ah, pas. d'accord. Et justement, le truc, c'est que Ah, normalement, le mais comment t'as fait scoundrel et la l'histoire des brute cartes? se connaissent. Enfin, si tu connais un peu le jeu, tu sais que la brute, sa carte la plus faible en initiative, c'est 10. Et donc, en général, au premier round, quand tu joues brute, scoundrel, la brute va jouer sa carte à 10 en initiative et une autre carte. Parce que le scoundrel, il a une carte à 11 en initiative. Ou si tu l'as pas prise, tu as une 10. carte à 12. Non, non, faut pas prendre la même parce que tu risques de jouer 10. avant moi. Ah, bah, tu vois, L'objectif, par c'est exemple, d'essayer là, de jouer j'ai. après. Mais les Ah. squelettes, leur carte avec la plus faible initiative, elle est à 12. C'est pour ça Ah, qu'avec le c'est pas déconnant. scoundrel, parce que tu as l'habitude de jouer au jeu, mais le scoundrel, normalement, il a une carte à 11 en initiative. Je ne sais pas si tu l'as prise. Et donc, si toi, tu prends la. Au pire, tu as une carte à 12 en initiative. J'ai à 12, ouais. Voilà, tu prends la J'ai 10, carte. au minimum c'est 4, 6, 10, 12. Ouais, Donc normalement tu prends la carte avec initiative à 12. plus que 10, mais le plus bas au-dessus de 10, donc logiquement ton cas c'est 12, et Ouais. avec cette carte tu feras un move 2, et en deuxième carte tu prends une carte de backstab. Alors soit tu prends la carte Flanking Strike, soit tu prends la carte à 86 d'initiative, Ouais, tout à fait. Ouais. mais ça c'est vraiment parce que la brute et le Ce que je scoundrel, faisais en c'est fait. comme ça qu'elles s'articulent bien. Il faut pour le D'accord. scoundrel que la brute soit déjà au cac et la brute elle peut jouer à initiative 10. Et généralement, le scoundrel, comme il a plein de cartes à basse initiative, la brute elle a intérêt au premier round à prendre sa carte initiative 10. Mais ça, c'est parce que quand tu connais un peu les personnages, tu sais comment t'articuler au premier round entre ces deux persos pour être le plus efficace. Donc il y a vraiment une notion de bien connaître ces personnages, quoi. De Ah, bien bah, c'est-à-dire connaître que si tu ce connais qu'ils pas font. le jeu. Au départ, tu vas faire un peu n'importe quoi, tu ne seras pas efficace. Si tu connais un peu le jeu, tu sais comment orienter déjà, ne serait-ce que l'entame de combat.
Et pouvoir bien orienter l'entame de combat, c'est important parce que c'est un jeu avec une durée très limitée, puisque tu défausses des cartes, au bout d'un moment tu es obligé de brûler des cartes. Quand tu brûles tes cartes, bah, tu reprends tes cartes en main, quand tu te reposes, mais tu as moins de cartes, du coup tu arrives plus vite au bout de ta main de cartes et tu redois brûler une carte, etc. Donc plus ça avance, plus tu brûles les cartes vite, et quand tu n'as plus de cartes en main, tu es éliminé. Donc tu as un nombre de rounds limité sur ce jeu. Et du coup, si tu passes 3-4 rounds à courir un peu dans tous les sens sans rien faire, généralement, c'est pas bon. J'imagine. Voilà, donc moi j'ai fait Ça une. doit être super. Ça doit être super intéressant quand tu joues avec des gens qui connaissent pas, mais en même temps, ça doit pas pardonner, quoi. Ouais, c'est pour ça que la première partie, en général, tu essayes quand même de dire, voilà, Ouais, c'est ça, faut apprendre, un quoi. début au premier round, c'est assez logique de jouer comme ci, comme ça, parce que ton perso est plus efficace dans telle situation, mais pour que telle situation, elle soit en place, il faut que tu laisses peut-être éventuellement un allié jouer, sachant que tel allié, il va être plutôt rapide, tel allié plutôt lent, et il faut que tu modules. Et ton allié, lui, il doit essayer de se dire, mais qu'est-ce que toi, tu vas faire? Il sait que toi, pour être efficace, il faut que tu fasses du backstab. Donc il faut que lui, il vienne au cac avant toi. Donc ton allié doit se dire, il faut vraiment que je joue le plus vite possible. Mais en même temps, il faut que je m'arrange pour avoir assez de mouvement. Bon Bah bref. essayons de partir dans cette optique de pas trop donner de détails, d'être plus dans le mode RPG, enfin roleplay, où bah, tu peux pas parler constamment, quoi, Bah, et juste pour le premier round, c'est j'attaque donner le des détails. squelette, ou j'attaque le machin, et Tu vois? vas-y, vas-y en premier, Ce que je fais, c'est comme juste pour le ça. premier round, c'est donner des détails. Intéressant. Voilà. Mais Ouais, c'est super. après, on arrête et on verra ce que ça donne. Tu veux pas me parler, c'est ça, en fait. C'est pas ça du tout, mais après, Allez. c'est le principe du jeu qui veut ça, hein. Tu n'es pas censé te donner d'infos. Alors j'ai fait ma sélection. Voilà, donc tu vois ce que Donc les ennemis vont faire. Donc les squelettes vont jouer avec 20, le pion le va zombie avec pouvoir. 21. Ils ont qu'une carte, c'est ça? Mais eux ont toujours qu'une carte avec plusieurs D'accord. actions. Et Je la vois. carte s'applique à tous les monstres d'un même type. S'il y avait trois zombies, bah les trois zombies auraient un move 2 et ensuite feraient immobilize D'accord. et muddle sur un Mais ennemi adjacent. ils peuvent faire qu'une action sur cette. Non, ils peuvent faire toutes les actions Ben de non, ils cette font carte. tout. Ils font move, attaque et ils peuvent faire tout. C'est ça, les squelettes, si on ne l'a pas tué, il va se soigner, il va attaquer jusqu'à deux cibles. Parce que les squelettes D'accord. attaquent toujours au moins deux cibles. Donc oui, ils vont Que ce tout soit faire. au cac et ou à distance, il peut se soigner lui-même. Et qu'est-ce que c'est que le petit. Il y a deux petites flèches qui tournent en rond, ça veut dire que c'est une carte qui va revenir vers lui, c'est ça? Il la bouge pas. Ben, c'est-à-dire que les monstres ont chacun en carte action. Chaque monstre a une pile de 8 cartes actions. D'accord. Et donc ils piochent des cartes actions à chaque round. Et quand tu as ce petit symbole de flèche qui forme une roue, ça veut dire que tu reprends toutes ces cartes actions. Utilisé et disponible, et tu remélanges et tu reformes le deck. Pas pour le Living Corpse, par exemple. Lui, il va brûler cette carte, c'est C'est ça? pas Il qu'il va la va brûler brûler, il cette va la carte. défausser, et donc au Oui, il prochain va prendre round, cette il carte. piochera entre ses 7 autres cartes, et il va piocher Ah, par jusqu'à ce contre. qu'il ait soit qu'il n'y ait plus de cartes à piocher, soit D'accord. qu'il ait ce petit symbole. Par contre, le squelette, lui, il retournera sur son pool de 8 cartes remélangées. C'est C'est ça. ça? Ok. Bon, ben, continue. Ben, c'est ton tour. Alors, donc moi je vais faire un move 2, je vais venir ici. Faut Et je faire vais attendre pour faire rien. une attaque comme ça. Et donc tu vois sur chaque attaque, tu as un modificateur de dégâts qui est pioché pour chaque cible. Et donc là, tu as eu un modificateur moins 1 sur le squelette et plus 0 sur le Ah, je vois en zombie. bas à droite. Et si tu veux voir combien de différents types de modificateurs tu as, tu mets ta souris sur l'icône rond avec les deux épées, tout à fait à gauche. Et Ouais, là, j'ai mis ça se sur ton personnage débloque que tu as avec fait en fait. le modificateur de. Ça compte toutes les cartes de modificateur de dégâts que tu as dans ton deck. Sachant qu'en gagnant des niveaux, tu vas retirer certaines cartes et en ajouter d'autres. Donc typiquement, tu vas Par retirer des exemple. cartes moins 1, moins 2, et tu vas rajouter des cartes plus 1, par exemple. Là, t'as fait moins 1 et 0, c'est ça? C'est Si je ça. vois bien. D'accord. Donc là, c'est mon tour. C'est ton Ok. tour. Ok, donc eh ben, il faut que next attaque. Toi, je ne sais pas. Donc, je vais Donc toi, voir. par exemple, tu peux faire un move 2 en utilisant, vu que toi c'est au cac, fais undo, parce que là t'as pas pris la bonne, parce que là tu vas faire une attaque au cac, mais t'as personne au cac. Il faut d'abord que tu te déplaces. Donc tu vas commencer par prendre la carte que tu veux jouer en bas, donc Smoke Bomb, et en bas tu vois c'est un pool de range 3, donc soit tu
attire le squelette, soit tu utilises le petit pas avec un 2 à côté, qui est un move 2 que tu peux utiliser aussi pour te déplacer. Mais en fait, non, en fait, ce qui me plairait bien. Pardon. Là, tu choisis ta cible avec ça, et ensuite tu dois le déplacer de 2 cases. Faut d'abord, quand tu fais pool, faut que tu choisisses une cible d'abord. Et ensuite, tu as des cases en blanc et tu dois déplacer le personnage de 2 cases. Eh ben non, ça marche pas. Je dois être très crétin. Alors, je sélectionne par exemple le Living Corpse. Par exemple. Par contre, et tu ne pool que de 2. Si tu sélectionnes le Living Corpse, n'oublie pas que le Living Corpse, il pourra pas venir jusqu'à toi. Donc, tu pourras pas lui faire une attaque au cac. Parce que c'est un pool 2. Donc, en fait, tu vas le déplacer de 2 cases. Ouais, mais en fait, c'est en ligne droite. Donc, en fait, les cases sont occupées. D'accord. Ok, bah donc, tu vas falloir que tu fasses un move 2. Ouais. Bah, on va aller là. J'ai pas trop le choix. Et je peux utiliser mon attaque. Exact. Alors, mon attaque dit que je vais faire une attaque et je vais gagner un quoi, en fait. Alors ça, c'est un point d'expérience. Parce que sur ce jeu, tu gagnes pas d'expérience quand tu tues les monstres. Tu gagnes de l'expérience quand tu utilises des capacités. Et vu que c'est adjacent à toi, donc je vais gagner un point d'expérience. Et tu vas faire une attaque 5. Comme c'est indiqué, tu as attaque 5, plus un 6, donc le squelette, il est décédé. Bon, il l'était déjà, puisque c'est un squelette, mais voilà. Ok. Et j'ai gagné un point d'expérience. Exactement. Et l'autre, il vomit dessus. Donc je serai immobilisé au prochain round. Ce qui n'est pas très grave, puisque de toute façon, on va l'achever, j'imagine. Ouais, avec ses 2 points de vie, il est pas vraiment méchant. Alors n'oublie pas que... Moi, ce que je te conseille, c'est quand tu joues la carte Flanking Strike, à la fin du tour, tu peux utiliser ta potion pour récupérer cette carte en main. Et pour utiliser une potion, tu cliques sur la gauche, sur l'icône en forme de sac, quand c'est à ton tour de jouer, et tu sélectionnes la potion. D'accord. Et la potion, elle est brûlée, il faut que j'en rachète une après. Alors la potion, elle est brûlée, mais pour le donjon. À la fin du donjon, tu la récupères. D'accord. Bon, là, ça sert à rien, parce qu'on pourra faire un reste, j'imagine. Honnêtement, il n'y a pas de raison de faire un reste non plus. La question, c'est comment va-t-on réussir à faire des points d'expérience sur ce donjon? Bon, j'imagine que lui, il n'a pas non plus une grande... En initiative, lui, non. Il est très lent, hein, le zombie. Par contre, quand il tape, il peut taper très très fort. Il fait des attaques à 4, 5, 6 de dégâts. Enfin, c'est un zombie normal, peut-être. Peut-être 5, 4 en dégâts, au mieux. Parce qu'au bon, on joue en facile. Mais quand tu... Tu vois, attaque 5. Hein. Il tape. Hein. J'aurais pu même attaquer en premier, mais bon, je te laisse faire. C'est gentil, comme ça, je vais faire un peu d'XP. Hein. Exactement. Alors tu noteras que là il y a eu 2 modificateurs de dégâts et il a retenu le plus 1. Parce que mon perso, tu vois, il y a une icône avec un cerveau avec un point d'interrogation, c'est le debuff model, confus. Quand tu es confus, tu as un désavantage. Et quand tu as un désavantage, bah, sur ta prochaine attaque, sur toutes les attaques du round d'ailleurs, tu pioches 2 modificateurs de dégâts pour chaque cible et tu prends le moins bon des deux. Je suis immobile, donc je peux pas bouger. Si toi, tu as envie d'aller looter les 4 gold, tu peux te faire plaisir. Moi, je peux pas, en tout cas. En fait, il suffit que je marche dessus, c'est ça? Il faut que tu termines ton tour dessus. Mais... Ah oui, parce que tu as une action loot 2, mais ça brûle la carte. C'est non, dommage. Mais je pas envie de brûler la carte, en fait. Bon, vu qu'il y a... Est-ce que je peux skip movement, voilà. Oui, tu dois skip beaucoup de... Là, tu vas devoir skip ta capacité aussi, parce qu'il n'y a pas de piège à 10 armes autour. Et là, quand tu mets un terme à ton tour, ton personnage va y ramasser. Alors l'or est obligatoirement partagé pour l'instant sur ce mode. Sur le jeu de plateau, non. La personne qui ramasse l'or, elle a tout l'or pour elle. Et elle peut pas le partager. Ah. Donc sur le jeu de plateau, c'est une course pognon. Donc là, on fait quoi? Là, est-ce qu'on peut se reposer? Parce qu'il faut qu'on passe sur la... Tu fais ce que tu veux. Si t'as de quoi te déplacer jusqu'à la prochaine case, tu peux. Parce que pour te reposer, il y a 2 alternatives. Soit le repos court, soit le repos long. Le repos court, le jeu prend tes cartes défaussées, il en choisit une au hasard, il la brûle. Si tu veux, tu peux dire non, choisis-en une autre, tu prends un point de dégâts, il en choisit une autre et il la brûle. Mais tu rejoues tout de suite. C'est terrible, non. Soit... Oh là 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 là. Qu'est-ce que t'as fait? Ah, mais tu peux... J'ai retiré la carte et du coup, je suis obligé de brûler single out.
Ah, c'est terrible. J'ai Bah oublié de c'est bah repousser non mais pour c'est récupérer single tout ça. out, c'est une bonne carte à brûler hein, Ah single bah oui, il out. l'a brûlé. Oui, mais c'est pas grave. C'est Bah pas c'est une bonne grave. carte quand même. Elle me plaisait bien cette Ouais, carte. surtout que tu t'es reposé un peu tôt, je pense, et bon, c'est pas voilà. D'accord. Il faut vraiment se reposer quand t'as plus beaucoup de cartes en main, parce que si tu te reposes trop souvent, tu brûles très souvent des cartes et tu ne vas pas au bout des donjons. Bon, là, c'est un donjon facile, début de jeu, il y a très peu de monstres, donc c'est pas gênant. Et donc, l'autre option, c'est de faire un long rest, parce que là, avec un short rest, t'as brûlé une carte, mais tu peux rejouer tout de suite dès ce tour-là. Avec un long rest, tu choisis la carte que tu brûles, tu te soignes 2 points de vie, tu peux récupérer certains objets que tu as utilisés, mais tu passes ton tour. D'accord. Là, ça n'a aucune importance. Si je vais te laisser passer en premier, t'es le tank. Je voudrais que tu ouvres la porte. Donc j'imagine que je peux faire comme ça. Un mouvement ici sera parfait. Et au cas où, un throwing knife. Si. Alors tu Donc joues à là, mon idée, je 60, bien t'explique ce que vu. j'ai voulu faire. Là, j'ai mis haut parce que je veux que tu aille ouvrir la porte toi-même, j'imagine que t'es le tank. Et en ma deuxième carte, j'ai mis un throwing knife juste au cas où tu ouvres la porte et il y a quelque chose derrière, je peux lancer mes couteaux. Oui, bah Si c'est tu veux. exactement ce que j'ai fait. J'ai fait un move avec une attaque à distance aussi. D'accord. Bon, moi j'ai utilisé mes bottes. Non, mais Parce que j'essaie de j'ai. penser comme de la stratégie du jeu, tu Ah, vois. ils sont 4, hein, les vilains. Et ça pue ici, apparemment. Alors, les zombies, ils ont un move 0 attaque 4, donc ils vont pas se déplacer, c'est pas gênant. Le squelette, il a un move 2 attaque 1. Donc, si je viens là, personne Ah, ne j'ai pas vu pourra le squelette, c'est grave, m'attaquer. il est là-bas. D'accord. Et du coup, je peux lancer une dague, genre, c'est sur lui. Waouh. Efficace. Un point d'XP. Bon, par contre, du coup, tu pourras pas faire de backstab parce que je n'avais pas assez de mouvement pour venir au cac. Non, mais j'ai pas la carte en fait de Ah oui, backstab. c'est vrai, t'as pris Donc j'ai une pas carte à activé. Ouais. distance. Bah, t'as bien Par choisi. contre, le squelette bouge le premier. Ça ira. Ok, bon, bah je vais bouger. Comme je voulais faire. Les zombies vont pas bouger, donc tu peux te mettre à côté de moi si tu veux, tu peux te mettre derrière moi si tu veux, c'est comme tu le sens. Après, ce qui est bien, c'est qu'en plus sur ton attaque au couteau, tu as deux cibles, donc tu peux cibler deux ennemis et tu vas gagner un point d'expérience. On va faire tout. Et donc, bah là, j'ai pas le choix en fait. Je peux pas toucher de squelette. Non, parce qu'il est à 4 en distance, bah tu shoots deux zombies, hein, faut tuer tout le monde, hein, alors. Ah bah, on va tuer lui. Et on va tuer lui. Allez. Plus un. Plutôt Oh, efficace, c'est bien. bien. Sympa. Ok. Et n'oublie pas de récupérer une carte utilisée avec ta potion de temps en temps. Enfin, de temps en temps, une fois. Alors après, ça dépend de la carte que tu veux récupérer, évidemment. Alors, ah, il fallait que je le fasse à mon tour. Ouais, c'est idiot. Trop tard. Je vais te laisser passer en premier. Je te laisse sur le squelette. J'imagine. Moi, je vais m'occuper des zombies, mais je te dirai pas comment. Moi, je vis ma vie. Ta vie. Je vais me déplacer, je vais taper. Voilà. Mais c'est pas une Excuse-moi juste surprise. pour le temps que je mets, hein, parce que c'est assez. Non, mais il faut que tu prennes ton temps. Il faut que tu prennes la peine de bien digérer ce que peut faire ton perso. Et surtout, là, on arrive en fin de jeu. Donc, il faut quand même essayer aussi de faire de l'XP. Donc, là, maintenant, il faut calculer tes mouvements pour faire de l'XP. Parce que les cartes à XP, il faut quand même les utiliser. Si tu arrives au bout du donjon mais que tu as gagné 2 points d'expérience, c'est gentil, mais c'est pas très efficace. Ah, je pars en premier. Ah bah vas-y. Là, tu as un très bon combo à faire, évidemment. Et logiquement, le zombie, il est décédé. Bien vu. Et je serais toi, j'aurais utilisé ma potion pour récupérer Flanking Strike. Merci, Valandé, il faut que je me souvienne de ça. Si, ouais, la potion. Je m'en veux. Ah non, le boulzor! C'est bien, ça fait du Ah mais attends, suspect. c'est quoi? Je vais faire ça et ça me fait une belle jambe parce que je peux pas faire ça. Ah là là, la Waouh, loose. ah non, c'est pas dans la ligne. La loose. Bon, faut que je pense à ma potion. Hein. Il a combien de points? Il a 5 points lui. Hein. Est-ce qu'ils sont immunes les
À quoi? Au poison, les trucs comme ça. Je sais pas, En ça. fait, si sont immunes au poison, quand tu mets la souris dessus, t'as un tooltip à droite, c'est indiqué dans Conditions and Ah, mais c'est Effects. bonus. Donc Ouais, il l'est ok. pas, il l'est pas. Il l'est pas. Non, mais j'ai pas envie de voler cette carte, moi, en fait. Pas encore. Si, là c'est la fin, hein. C'est le dernier monstre du Ah, c'est le donjon. dernier monstre. Quand tu Oh, j'ai regardes trop en haut à peur. droite, il y a Kill All Enemies in All Rooms, tu vois, c'est presque au bout. Donc c'est le dernier monstre. Oh. Donc là, il faut brûler tout ce que tu peux pour faire un maximum de points d'expérience. Eh ben, on va tout brûler. Là, il va avoir très mal. Excuse-moi. J'ai réfléchi. Et donc, tu vois, même si tu es en coop, tu as quand même un petit aspect aussi compétition parce que là, qui va faire un max d'XP sur le dernier round? Et normalement, tu as aussi de la compétition sur qui va looter parce que sur le jeu de plateau, encore une fois, tu partages pas l'argent. Donc. Je te laisse passer en premier en fait. 1, 2, 3, ouais. Je te laisse passer en premier. J'espère. En fait, t'as Yes. pas intérêt parce que si je le tue, toi, tu feras pas d'attaque, tu feras pas Ouais. d'XP sur son attaque. Ouais, mais je partais plus sur la coop. Je me suis dit qu'avec mon attaque, je peux l'achever s'il est à côté de toi en fait. C'est assez. J'ai pas trop de choses en fait. Trop de choix. Non, mais On va t'as raison, voir, parce hein. que moi je veux Tu pas. le vois, on Normalement, verra. je le tue pas, normalement. Bon, on verra. Je voulais profiter du bonus en fait d'attaque. Non, je vais pas le tuer, tu Ouais, vois, donc ça va. ah bah ça va être bon, bah je vais l'achever en fait avec mon bonus d'attaque, c'est sûr. Avec backstab, oui, ça c'est sûr. Enfin, sauf si tu fais un x0, hein. Si tu fais un x0, tu feras pas de dégâts, hein. Et tu l'as pas Arrête. encore pioché le x0. Tu peux l'empoisonner. Si tu l'empoisonnes, il subira un point de dégâts sur toutes les supplémentaires sur toutes les attaques qu'il va prendre. C'était le but d'utiliser le poison. Et il est mort. Du coup, on ramasse pas du tout d'argent. C'est pas grave. Ça, c'est un truc aussi du jeu, hein. C'est un peu chiant. Hein. J'ai vu que le truc avec l'or, Mais faut ça fait partie des s'habituer, hein. règles, hein, mais C'est-à-dire faut que juste finir son tour sur l'or, quoi. C'est du Il y a ce risque truc, supplémentaire c'est des parce que choix. si tu veux avoir l'or, tu es obligé de passer plusieurs rounds pour aller le récupérer. Et tu as des capacités loot. Donc en XP, tu as gagné 5, j'ai gagné 8. Tu as tué 4 ennemis, j'en ai tué 2. Tu as fait 27 dégâts, j'en ai fait 19. Voilà. Ah, ok, donc là je vois, oui, effectivement. J'essaie de voir où est-ce que tu voyais ça. Oui, alors 4. Alors pourquoi je gagne moins d'XP si j'ai. Oh, c'est pas. Parce Si qu'en je fait, suis tu as plus utilisé gros. moins de compétences à XP que moi. En fait, dans la dernière salle, j'ai utilisé vraiment Ah. plusieurs cartes qui. J'ai brûlé plusieurs cartes qui donnaient de l'XP. Et le progrès pour débloquer les histoires ou. Ok, ça c'est Voilà. très très sympa. C'est très très bien Tu as présenté. déjà fait 27 de dégâts sur les 99 requis pour avoir un point de talent. Donc Et moi, je te là, propose qu'on fasse un deuxième scénario, si tu allez, veux, on y va. parce que ça va assez Alors, je sais vite. pas, si j'ai trop le temps parce que Ah on ok, doit aller bah si t'as pas le temps, déjeuner t'as pas chez le un temps. ami à midi. On doit aller chercher des pizzas et tout. Ok, donc t'as pas le temps. Mais Mais c'est pas grave. on peut essayer de se faire une petite partie si t'as le temps plus tard, ouais, enfin ou demain. Ou... Ouais, je sais pas quand j'aurai la possibilité, mais ouais. J'apprécie vachement le jeu. Je pense que c'est une. C'était un bon premier contact. Hein. Ah, je suis très bon, allez, une petite partie, allez, on va en faire Non une. mais si t'as pas le temps, t'as pas le temps, hein, mais J'ai le temps, j'ai le temps, allez. Donc on a Du coup, tu vas prendre plutôt donc là, cette trappe qui sera plus court, parce qu'il faut mais là pas en fait tuer on a autant gagné de un peu mobs. d'argent quand même. On a gagné 4 pièces d'or, on peut rien s'acheter avec ça. Sur les premiers scénarios, tu vas gagner peu. Par la suite, tu vas gagner beaucoup plus. Et surtout du fait que plus les ennemis, plus nous on va gagner de niveau, plus les monstres vont gagner de niveau. Et plus un monstre est haut niveau, plus il donne de pièces d'or. Il y a des scénarios où littéralement tu vas tuer 15 à 20 monstres. Et si chaque monstre te donne 3 pièces d'or, tu peux gagner 45 à 60 PO sur un scénario. Alors bien sûr, tu les gagneras pas intégralement, mais il y a des scénarios où tu vas faire 30-40 PO systématiquement, quoi. Du coup, l'or Qu'est-ce que viendra tu plus conseilles? tard. Qu'est-ce que tu me conseilles comme de celui-ci, de cette trappe Ouais, ou cette trappe, il sera plus les court. Les deux sera premiers plus court. scénarios, il y a beaucoup moins d'ennemis à tuer. Et Et là, en ça a plus, là, il n'y a du. qu'une salle. Donc ça va être plus J'imagine que rapide. ça a du sens qu'on garde les mêmes personnages pour le XP, j'imagine. Ouais, après tu peux changer si t'as envie de découvrir le gameplay d'un autre personnage, mais Comment bon. ça se passe? Est-ce que le jeu s'adapte à notre niveau?
Toujours, parce que les monstres ont un niveau qui est indiqué en haut, là, sur le guide, écrit level 1. C'est le niveau des Où monstres, ça? de base. C'est où? Je En vois haut à pas. gauche, au-dessous du nom, les pieds cassés, écrit level 1. Ouais, En ça c'est rouge. nous. Non, je veux dire Non, c'est pour pas les nous. monstres. C'est pas, ça, c'est pas nous. Ça, c'est le niveau des C'est quoi? monstres. Le niveau des monstres, tu prends la moitié de la moyenne de nos niveaux et tu arrondis à l'entier supérieur. Et ça, c'est le niveau des monstres de base. Donc, notre niveau moyen, c'est 1. La moitié, c'est un demi. Tu arrondis à l'entier supérieur, bah, ça fait 1. Donc, les monstres, normalement, Donc en sont fait, niveau 1. si tu passes du temps que à monter deux personnages comme on est en train de faire à leur niveau supérieur, à chaque fois que tu veux passer sur d'autres personnages. Non, parce que c'est l'équipe en cours, hein. Oui, c'est Pas ça, tout de c'est suite. l'équipe en cours. Tout de Donc, suite. si D'accord. maintenant on était C'est pas niveau tout en cours 4, général, hein, non, c'est ça. le... Si on est niveau 4 tous les deux, les ennemis seront niveau 2. Et si maintenant il y a un des deux persos niveau 4 qui est remplacé par un perso niveau 1, bah du coup on aura une team avec niveau 4 et niveau 1. Ce qui nous fera, bah là aussi en l'occurrence des ennemis niveau 2, mais bon. Oh, bah ok. Alors, un cadavre d'inox se trouve contre une souche. Il y a une Putain. dague dans son dans sa poitrine. Est-ce que tu récupères la dague ou la laisser là? Tu Bon, choisis. on va la récupérer, hein, de toute Bon, façon. en même temps, t'es un voleur, hein? T'es là pour ça. Mais il est mort. Je pouvais rien, il est mort. Alors, malheureusement, tu sens que la lame a l'air maudite, elle est pleine de poison, tu la jettes et tu te sens mal. Donc j'imagine que tu vas. Nous allons commencer avec un debuff de poison. Le prochain scénario. Alors, le débat de poison, quand on utilise une capacité de soin, ça annulera le poison, mais ça ne nous soignera pas. D'accord. Et si on ne soigne pas le poison, bah on subira un point de dégâts supplémentaire sur chaque attaque qu'on va prendre. Donc moi, j'ai une potion de soin, ça va. Je peux annuler le poison comme ça. Toi, tu n'as pas de potion de soin, donc il faudra voir si tu as une capacité de soin. Normalement, tu as une capacité de C'est soin, quoi d'ailleurs, mes tu ne dégâts peux de soigner que poison? toi-même. Je vais regarder. Ok, un bout de mission, donc on doit tuer un certain nombre d'ennemis pour. Et la bonne nouvelle, c'est. Bah, ça voilà, on reste que ici en fait. C'est ça. Et là, il y a des pièges par terre, donc on peut essayer, si on Bon, c'est s'en ça. sort pas trop mal, de pousser les adversaires dans les pièges où ils subiront 2 points de dégâts s'ils passent dans un piège. Est-ce qu'on sait. Ah, ok, donc on doit tuer 6 archers Ou bandits ou de garde. gardes. Faut qu'on tue 6 ennemis. Donc là il y en a 3, donc peut-être on aura 2 vagues. Ah bah il y Et où aura est-ce qu'ils du réapparaissent? spawn. C'est par vague ou si on en tue un, ils réapparaissent immédiatement? Ou il y Non, aura des en vagues? fait, ils réapparaissent au début des rounds et ils réapparaissent là où c'est indiqué en lumineux. Tu vois, là, il y a un spawn qui est lumineux. Donc, il y aura un mob qui va spawner au prochain round là-bas. Ah donc ils peuvent être 4, 5, 6, ils peuvent nous. Ok, ça Si on marche. met trop de temps à les tuer, on peut littéralement avoir 10 mobs sur le rab en même temps. Et là, ça devient un peu ingérable. Bon, donc si on peut. Et c'est leur seul point de spawn, c'est ce spawn-là. Hein. Au prochain round, en tout cas, oui. Par la suite, je pense qu'il n'y en aura pas plus parce qu'on n'est que deux, mais. D'accord. Bon, je vais te laisser passer en premier. Faire ça. Ils ont 5 points, 5 points et 4 points. Bon, ça va, on est en difficulté facile, donc les monstres. Normalement, en difficulté facile, les monstres sont un niveau inférieur à leur niveau normal, donc là, ils sont censés être niveau 0. D'accord. Je vais pas regarder s'ils le sont vraiment. S'ils sont Ouais, ils level sont 0. level 0. Alors, je vais commencer par prendre la potion de soin pour m'enlever ce poison, hein. Pas trop, hein. Ouh là là, t'as mis moins 1. Ah, ah, tu l'as poussé dans le Ouais, piège. j'ai fait une attaque push. Si j'avais pas fait un moins 1, il serait mort. Tu vois, c'est triste, hein. Alors, je vais Ah, du coup, tu ne peux arriver au rien contact de faire. personne. Donc moi, si j'aurais été toi, j'aurais fait un move 2 avec l'autre carte et j'aurais fait un heal 3 pour t'enlever le poison. Ouais, bah c'est ce que je vais faire. Hein. Puisque de toute façon, Dire tu ne peux atteindre personne à ce round-là. non, parce que tu l'as poussé.
Et les gardes, ils ont un move 1, donc ils pourront pas nous taper. Bon, c'est parfait tout ça. Tu vois, là, au prochain round, donc là, il y en a un qui a spawné et il y a un nouvel endroit de spawn, là, qui est apparu. Il y a même deux endroits Je de vois. spawn, là, qui sont allumés, là, tu vois. Donc, il y aura deux gardes, il y aura deux mobs en plus au prochain round. Faut vraiment qu'on Je m'étais gouré dans l'initiative. Aïe, sorry. Ah oui, c'est pas grave. Bah là c'est parfait là. Voilà, exactement. Voilà, nickel. Et là, je serai toi, j'utiliserai la potion. Mais j'essaye, mais je sais pas comment faire. En fait, Ah, tu comme cliques ça. dessus, tu fais Confirm Gauche. Action et là, tu sélectionnes une carte dans ton discarded et tu la récupéreras. Tu vois là à gauche, tu as discarded, tu cliques sur une des cartes, celle que tu veux récupérer, et en bas, tu fais Confirm Action ou je sais pas quoi là. Vachement. Enfin, excuse-moi. Je vais prendre la cigale avant ça. J'adore la stratégie autour de ce jeu, c'est hallucinant. Il y a tellement d'options et tellement d'approches. Et est-ce que tu gagnes des nouvelles cartes quand tu montes de niveau? Oui, il te laisse le choix entre les deux cartes du niveau associé. Parce que sur le jeu de plateau, bah, tu as des cartes niveau 2, niveau 3, niveau 4. À chaque niveau, tu as de nouvelles cartes. Waouh, bien joué. Vraiment, là, deux bandits en un tour. Ouais, c'est parce qu'il faut pas en tuer beaucoup que j'ai fait, parce que j'ai brûlé une carte. Hein. C'est un truc à pas faire normalement. Bah, de toute façon, on a déjà eu trois. On est à la moitié. Hein, ok, donc là, là, c'est plutôt. Comme tu dis. Alors tu vois, le dernier qui est Ah, apparu là, le ouais. bandit, celui qui est en haut à gauche, entre guillemets, il est derrière un piège, il sera obligé de passer sur le piège pour venir vers nous. Donc il va être obligé de se manger les dégâts du piège, les deux points de dégâts du piège. Ça c'est bon à savoir. Je risque. Excuse-moi, Prends le temps, prends le temps. Parce qu'il faut que tu essayes de deviner ce que je vais faire. Et moi, il faut que j'essaye de deviner ce que je vais faire aussi. C'est ça qui est fort. Bon, à la limite, je peux te dire que j'attaque ou j'ai pas le droit. Logiquement, tu peux dire, t'as pas le droit de donner de valeur numérique. Je vais essayer d'attaquer le bandit. En bas à gauche, quoi. Moi, normalement, je vais attaquer l'archer, moi, donc. Bas à gauche, c'est ridicule parce qu'on peut tourner nos caméras, donc tu sauras jamais. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. On a le même point de vue, je pense, de base. Bon, par contre, je vais avoir un sacré. Voilà, je suis le dernier à jouer, ça j'en Ce étais qui n'est pas sûr. forcément plus mal, parce que tu vas laisser les bandits avancer vers toi d'abord. Alors, par contre, le bandit archer, il va immobiliser sa cible, et ça, c'est mal poli. C'est là qu'il Faut faut se faire un trouver en haut à plus 1, mon droite, on peut gars. le laisser passer fast-forward. Wow, bien Voilà. joué! Mais il fallait le tuer pour pas qu'il m'immobilise. C'est bien fait. Donc tu noteras que les mobs qui ont spawné là, par contre, ils donnent plus d'or. Hein. Ah, d'accord. Tu vois, l'autre, il a marché dans le piège, hein, comme je t'ai dit, c'était Parfait. obligé. Mais ça, c'est bien. Hein. Ça nous arrange. Ok, bah en fait, Du coup. je vais pas m'embêter, je vais le poison... je vais faire un coup de poison en fait. Je pense ouais, qu'il vaut mieux que tu utilises l'attaque de Venom Shift qui sera plus rentable que le Flanking Exactement. Strike. C'est exactement ce que je vais faire. Mais je vais passer une case de plus pour être plus près après de l'autre. Ouais, est-ce qu'il Bon là tu vois ce qu'on est en train de faire, c'est si on jouait en difficulté normale, on jouerait pas comme ça, on partirait pas chacun sur son mob.
on resterait, On resterait bien ensemble hein, pour que tu puisses faire du backstab et que ce soit beaucoup plus efficace. Hein, parce que là, Ouais, puis surtout évidemment. que... Ouais, surtout que moi j'ai des trucs où à chaque fois qu'un ennemi est à côté de toi, je fais des dégâts supplémentaires en fait. Là par contre je suis dans la merde. On va partir. Hein. Ah. C'est juste qu'il faut que je me dégage d'ici. Ouais, tu peux utiliser backstab pour être sûr de le tuer. Après, tu fais un move 2, tu reviens au centre de la pièce, t'es tranquille, hein. Moi, j'aurais utilisé la carte backstab pour attaquer. Parce que ça fait de l'expérience, en fait. Comme on est en fin de scénario, t'aurais gagné un peu plus d'XP. C'est pas grave, hein, t'as pas l'habitude du jeu, donc y a pas de soucis. Je voulais juste me reculer du mec avec 5 points de vie et 5 PV, j'étais pas trop sûr que je pouvais l'achever aussi. Ça Voilà, tu vois, va. Il scénario pourra fini jamais déjà. m'atteindre en fait. Il pourra jamais m'atteindre. Hein. Ah, c'était le dernier tour. Ah, il m'a atteint. Hein. Bah oui. Bon, tu prends 2 points de dégâts, t'en Je meurs pensais pas. qu'il avait que 2 points de mouvement, j'ai mal fait en fait. Bah oui, ils avaient que 2 points de mouvement, pourquoi il m'a atteint? Bah Hein? parce qu'il est, il a fait, il était à 2 cases de toi. Non, il était sur le piège là-bas, non? Bah non, il peut pas Piège. commencer sur un piège. Et donc quand tu prends des dégâts, tu choisis soit tu prends les dégâts, soit tu brûles une carte disponible, soit tu brûles 2 cartes discardées. Donc voilà, tu vois, c'est un scénario très court, hein, donc effectivement, ça ne devrait pas t'avoir Bon, mis bien trop joué en pour les retard. XP. XP, ouais, effectivement, tu vois, tu aurais pris backstab, tu aurais eu un point d'expérience de plus. Alors Ouais, c'est pas le voilà. bout du monde, mais faut prendre l'habitude aussi sur ce jeu, quand tu arrives à la fin du jeu, de tout Je en crois que je vais t'assurant peut-être de ne prendre pas des perdre cartes, le hein. truc, mais de vraiment faire un peu d'XP. Donc voilà, là on a 8 gold, on peut toujours rien s'acheter, mais bon, on a un peu progressé. Voilà, on a fait 2 scénarios. Les 2 scénarios d'intro, ils sont faciles, ils sont rapides. Bon, parce qu'on joue en difficulté facile, on aurait été en normal, ça aurait été une autre paire de manches. Et Bah donc écoute, voilà. bah merci. C'est super, hein. Vraiment. On va remettre ça, hein. Ça, moi j'aimerais beaucoup continuer. Hein. Ça... Essayer de se faire une mini campagne un de ces jours. Ça me paraît super. Je vais apprendre les bases de. Je vais essayer de m'améliorer en solo juste pour voir un petit peu. Et puis. Ouais, mais là c'est vraiment toute une campagne, le mode Guild Master. T'as plein de scénarios qui suivent et tout, donc t'as de quoi faire. Mais bon, voilà, c'est pas mal. Bah vraiment sympa, merci beaucoup Valandril pour cette session. Bah, merci à toi. Et puis, bah écoute, Ça je a te été souhaite cool bon pour toi, repas du j'imagine? coup. Ouais, ça, bah Ouais ouais. forcément, puisque tu es repassé en Voilà. single player, donc. Il faut que je me manne parce que je me suis même pas douché et tout, donc. Et bah pour pas pizzeria et tout. Super en retard. Mais merci beaucoup en tout cas. Ben merci à toi et puis bonne journée, hein. Et toi aussi. Ciao ciao. Ciao.